Un gâteau XXL pour la plus nordiste des reines de Paris qui souffle ses 95 bougies en chanson, évidemment. Et le feu et voir joli. Pour son anniversaire, Lynn Renaud a vu les choses en grand. Une centaine d'invités. Bon anniversaire. Merci. D'abord. Acteur, chanteur, homme politique ou personnalité engagée. Je vais remettre dans ma voiture, j'ai un anif demain. J'ai envie de te prendre dans mes bras. Le spectre très large de ses amis résume à lui seul la carrière extraordinaire de cette femme du Nord. Débuté il y a plus de 70 ans. Lynn, c'est presque un siècle, donc à un moment on peut pas dire un petit mot. Juste on peut dire Lynn est unique. Qui c'est ? Qui c'est cette extraterrestre qui arrive à 95 ans, qui a encore envie d'avoir des projets, même si elle dit qu'elle va arrêter de tourner. J'y crois pas une seconde. Elle vient du Nord, d'Armentières. Mademoiselle d'Armentières. Et donc c'est bien de ne pas oublier d'où on vient. On mesure après à 95 ans eh bien, le chemin parcouru et elle a des raisons d'être fière, non ? Une réception organisée chez elle, à Rue et Malmaison. Son havre de paix qui, dit-elle, est l'un des secrets de sa longévité, mais le Nord n'est jamais très loin. 95 ans, c'est un beau parcours, surtout qu'il y a eu quelques embûches de santé dans le parcours. Alors, j'ai surmonté, comme les gens du Nord, j'ai surmonté les difficultés de santé et je me porte très bien. Voilà. Que peut-on vous souhaiter ? Que ça dure. Pour vous, que ça dure. Et qu'est-ce que vous lui souhaitez ? 5 doigts de la main pour arriver à 100. Vivons à notre santé. À la mienne en particulier, et vivons à la vie, à l'amitié et à l'amour. Une standing ovation et au crépuscule, un instant de tendresse au milieu de la fête. À 95 ans, Lynn Renaud garde la fougue de sa jeunesse, entourée de ceux qu'elle aime. Attends, attends, attends.